Bonsoir à toutes et à tous, et aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série sur ma chaîne YouTube pour changer un peu d'air. Il va s'agir de parler d'actualité des jeux vidéo, donc que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Le but est de donner son avis ensuite dans les commentaires, d'interagir avec vous qui fait partie de ma communauté, et pourquoi pas derrière de refaire un deuxième épisode pour un peu éclaircir tous les points de vue qui ont été donnés. Si ça marche, j'espère que ça va plaire. C'est un nouveau format que je m'essaye, donc surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo. Aujourd'hui, on va commencer par un grand titre qui a fait beaucoup de bruit, il s'agit de Killing Floor 2. Et oui, effectivement, l'enseigne va changer de politique et va proposer maintenant des DLC payants. Alors oui, tout de suite, ça peut faire grincer des dents, car on sait effectivement que le jeu vidéo propose actuellement des caisses à ouvrir en payant des clés, un peu comme le fait beaucoup de jeux vidéo, et plus particulièrement Counter-Strike. Alors le prétexte de tout ça au niveau du changement de politique, bah en fait ils disent que tout simplement depuis le début ils font du contenu additionnel gratuit pour les joueurs et que malheureusement financièrement ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc du coup ils proposent des DLC de 9€ environ qui va concerner pour le moment et pour le début des nouvelles armes, et donc ils assurent que derrière le studio assure que ces armes-là seront donc pas meilleures que les autres et qu'ils offrent juste une autre expérience dans le jeu. Ce que j'ai du mal un peu à croire, car chaque arme a une physique différente et selon la physique et selon la façon du joueur à jouer, et ben tout peut changer. Donc vous vous dites, mais est-ce qu'il sera possible d'essayer ces armes avant de les acheter? Et bah oui, effectivement, en fait, quand vous serez en partie avec quelqu'un qui aura acheté ce futur DLC, vous pourrez effectivement ramasser ou jouer avec ces armes là en fait, qui seront disponibles dans le menu. Donc ça, pour l'instant, c'est de la théorie, ça reste à prouver. Mais sinon, ce qui fait surtout grincer des dents des autres joueurs, c'est qu'en fait depuis un petit moment, pas mal de temps, Killing Floor 2 propose déjà d'ouvrir des caisses avec des clés qui coûtent une certaine somme. Comme on peut le voir, il existe déjà beaucoup de skins sur Killing Floor 2, pas loin de 6437 items, et déjà 10 DLC entre guillemets en fait, qui sont proposés à l'achat. Il s'agit de skins de personnages, etc. Là par contre, c'est vrai que de voir des sales gueules sur ce jeu, des fois, ça fait plutôt marrer, ça donne envie de lâcher des cartes bleues. Mais là, je trouve un peu abusé de faire payer 9€ pour des skins d'armes ou des armes, parce que c'est pas vraiment intéressant, parce qu'on sait qu'actuellement Killing Floor 2 a un pic de joueurs assez élevé, contrairement à avant avec une petite moyenne de 4000 joueurs constants. Et ben là on est maintenant à 7033, donc c'est pas uniquement parce qu'on est en week-end, c'est parce qu'il y a vraiment une montée de joueurs, ce qui trouve ça très bien, parce que c'est vraiment un superbe jeu, moi étant un grand fan. Il faut savoir que le plus grand pic de Killing Floor 2 de toute son existence, c'était plutôt mi-2018, avec un pic de 69 000 joueurs et plus. Donc c'est un jeu qui est très suivi par la communauté, effectivement, qui était déjà très aimé lors de ce premier opus, Killing Floor 1, qui proposait déjà, lui, à l'époque, énormément de DLC. On pouvait déjà retrouver plus de 30 DLC sur Killing Floor 1, donc du coup c'était pareil, des packs textures uniquement pour les zombies, pour les joueurs, pour les armes, mais c'était des prix assez variés, donc c'était plutôt cool, hein. Ça pouvait aller de 2€ à 15€ pour les départs, mais ça baissait très rapidement, et en tout cas personne se plaignait, donc il n'y avait aucun souci sur cela. Donc par rapport à cette nouvelle qui est sortie si subitement et les joueurs étaient assez choqués, les développeurs répondent bien sûr qu'ils avaient deux possibilités pour résoudre ce problème d'argent. Soit ils faisaient des contenus gratuits encore et donc qui seraient moindres dans son contenu, bien sûr, ou sinon comme ça de faire une nouvelle filière, une nouvelle file pour se faire procurer plus d'argent en faisant des DLC payants. Donc, je trouve que c'est une bonne et une mauvaise chose. C'est une bonne chose car ils sont déjà honnêtes. Ils disent clairement que c'est pas trop la joie au niveau argent chez eux actuellement et qu'ils veulent continuer à développer parce qu'ils aiment eux-mêmes leur propre jeu.
Donc c'est bien pour les grands fans, ceux qui sont prêts à mettre de l'argent, je trouve que c'est une bonne chose. Moi personnellement je sais que j'y mettrai de l'argent, je n'hésiterai pas, j'adore ce jeu. Et du coup ça veut dire aussi de mon côté je pense que leur système de clés à 2€ à ouvrir etc, je pense que ça ne suffit pas. Je pense que ça, les gens ne sont pas très fanas d'acheter des clés pour tomber sur des choses qui seront finalement aléatoires et puis pas vraiment très voilà, qui mettent en valeur dans le jeu, qui puissent permettre d'être un peu plus fort etc. À la limite je préfère payer pas vraiment pour un pay to win parce que c'est un jeu de coopération, vous voyez. Bon, il y a du versus mais ça reste assez secondaire et c'est pas ce qui est le plus joué. Mais à la limite, vous savez, une capacité à recharger par exemple un peu plus vite, malgré qu'il y ait déjà les expériences et les niveaux à gagner, ou je sais pas, une arme qui vraiment a un petit plus, vous savez, niveau technique, niveau skill, un truc qu'il faudra un peu plus gérer, ou je sais pas, les choses sont pas assez réfléchies, je trouve, c'est un peu rapide, mais pourquoi pas, il faut essayer, voir, il faut essayer, il faut leur laisser cet essai-là, voir ce que ça donne pour les pour le deuxième et troisième DLC. C'est pas le premier qui va où il va falloir conclure, je pense. Ce sera vraiment plutôt vers le deuxième et le troisième. Donc je répète que c'est Tripwire Interactive qui a fait le jeu. Donc c'est quand même ceux qui ont fait Red Orchestra, les premiers opus, comme bien sûr Killing Floor, Red Orchestra 2. Et ensuite Rising Storm Red Orchestra, qui était très très bien. Donc c'est plutôt un studio qui est assez correct, on est d'accord, hein, qui compose de 75 personnes. Donc c'est sûr que c'est toutes ces personnes-là, il faut les rémunérer. Après, au niveau argent, j'ai pas allé regarder au niveau de la bourse, mais je pense qu'il doit être en légère chute pour penser à ça. Mais voilà. Donc moi, de mon point de vue, je trouve ça plutôt bien. Il faut voir ce que ça donne plus tard, en fait. Parce qu'on n'est pas obligé d'acheter pour avoir, je sais pas, un triple bazooka qui sort 15 roquettes d'un coup. Ça va être uniquement de l'esthétique. Donc c'est vraiment, quand pour moi il y a que l'esthétique qui est visée, je pense que c'est bien parce que il y a uniquement les grands fans qui vont acheter ça. Et bon, si ça peut aider derrière à nous faire par exemple un Killing Floor 3, peut-être à l'annonce de Half-Life 3, allez savoir, hein, parce qu'à la base Killing Floor était bien en bon partenariat avec Valve, et c'était aussi un mode sur 1.6, 1.5, un mode zombie qui a inspiré beaucoup Killing Floor, donc pourquoi pas ça. Mais moi, si ça peut faire que des bonnes choses, et si le studio continue à donner patte blanche, moi je dis oui. Donc maintenant, je vais vous laisser vous exprimer dans les commentaires, mettez votre avis. Vous pensez à quoi? Dites-moi tout, n'hésitez pas, soyez constructifs. Je vais donc vous laisser sur cela. Nous allons interagir plus tard, si ça fonctionne, sur les commentaires, refaire une vidéo structurée. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, un petit pouce rouge si vous le souhaitez, vous abonner, un commentaire, partager. Rejoignez-moi sur Twitter, j'ai un Twitter maintenant, et oui, je suis modernisé. Je vous dis à très bientôt, à une prochaine. Bonsaï.